Autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez alourdi, le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aura-t-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire, rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. J'étais sorti de chez moi pour chercher quelques graines. Je prends le terrier habituel et voilà qu'à la sortie, je me retrouve entre les pattes d'un lion. Oh là là, quelle frousse ! J'étais terrorisée. J'avais très peur qu'il me dévore tout cru. Mais il devait être de bonne humeur car il m'a laissé la vie sauve. J'ai été très soulagée et je lui ai promis qu'un jour, je lui rendrai service pour le remercier de sa clémence. Ça l'a beaucoup fait rire. Je pense qu'il ne savait pas qu'un rat pouvait sauver un lion. Et pourtant... Quelques jours plus tard, j'entends des rugissements terribles, comme des appels à l'aide. Je sors de chez moi et là, entre les arbres, je vois le lion piégé dans un filet. Il se débat tant qu'il peut, mais plus il bouge, plus il crie, plus le filet s'en mêle. Alors je décide de tenir ma promesse. Je saute sur les filets et je les grignote. Petit à petit, le filet se relâche et le lion est libéré. Le lion a été très surpris, mais il m'a remercié. Je lui ai dit « Eh oui, on a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Il y a quelques jours, pendant ma sieste, j'ai senti quelque chose sous mes pattes. J'ai regardé et j'ai vu un tout petit rat de rien du tout. Il avait l'air terrorisé. Au début, je voulais le manger, mais il était si petit qu'il me faisait pitié. Alors je l'ai laissé s'en aller. Il m'a remercié et m'a promis qu'un jour, il me rendrait service et lui aussi me sauverait la vie. J'ai beaucoup rigolé, comment une si petite créature pourrait rendre service au roi des animaux? Mais j'avais tort de rire. Peu de temps après, alors que je me promenais dans les bois, j'ai été pris dans des filets. J'ai rugi, j'ai griffé, j'ai mordu, mais cela ne servait à rien. Ça aggravait même les choses et j'étais de plus en plus prisonnier. C'est alors que j'ai vu le rat qui arrive. C'était le petit rat que j'avais épargné. Avec ses dents, il a rongé le filet et m'a sauvé la vie. Je l'ai remercié en lui disant que j'avais reçu une bonne leçon et que désormais je ferai attention aux plus petits que moi. Un jour, j'étais sur le bord de la rivière et je buvais tranquillement. Ce jour-là, j'étais partie au bord de la rivière pour boire. Mais j'ai glissé et je suis tombée dans l'eau. À l'aide ! À l'aide ! Ce jour-là, je suis allée au bord de la rivière pour chasser. J'ai pris mon arbalète. Et pour ne pas faire de bruit en marchant, je n'ai pas mis mes chaussures. Tout à coup, j'aperçois une fourmi en train de se noyer et qui criait « À l'aide !»« À l'aide !» Je ne pouvais pas la laisser comme ça.
Comme il y avait beaucoup de courant, je ne pouvais pas nager et j'ai crié « À l'aide ! À l'aide !» Tout à coup, j'ai aperçu un brin d'herbe sur l'eau. En arrivant sur la berge, je vois une superbe colombe très appétissante. Je l'imagine déjà en train de rôtir dans mon four avec des petits oignons. J'en avais l'eau à la bouche. Alors, j'ai décidé de la sauver. Je lui ai tendu un brin d'herbe pour qu'elle puisse y grimper et regagner la rive. J'étais fière de moi et de mon geste. Je m'y suis accrochée et j'ai regagné la berge. Je me suis alors rendu compte qu'une gentille petite colombe m'avait sauvé la vie. En repartant, je vois un chasseur qui visait celle qui m'avait sauvée avec son arbalète. Comme il avait les pieds nus, je saute sur son talon et je le mords de toutes mes forces. Je prends mon arbalète, je vise l'oiseau et là, je ressens une douleur terrible au talon. Aïe ! Je me retourne pour savoir ce qui m'arrivait. Il n'y avait rien. Malheureusement, la colombe m'a entendu et s'est envolée. Tant pis pour le bon plat. La prochaine fois, je mettrai mes bottes. Un peu plus tard, j'ai entendu un grand cri et je me suis envolée. C'est là que j'ai compris qu'un chasseur me visait pour manger. Je pense que c'est la petite fourmi qui m'a aidée. J'ai pensé. On a souvent besoin de plus petits que soi. Il a poussé un grand cri et s'est retourné, mais j'étais déjà partie. En l'entendant, la colombe s'est envolée. Moi aussi, je lui avais sauvé la vie. Un jour, nous avons rencontré une tortue qui voulait voyager. Le problème, c'est qu'une tortue, c'est très lent et qu'elle risquait de mettre des années pour faire son trajet. Alors, on a eu une idée. Nous lui avons proposé de voyager dans les airs. Comme ça, elle pourrait réaliser son rêve en traversant les océans. Elle pourrait même aller jusqu'en Amérique. Pour la transporter, on a pris un bâton d'un autre bec et la tortue l'a mordu au milieu. Comme ça, on a pu transporter la tortue accrochée au bâton. C'était par un bel après-midi, le soleil brillait de mille feux, et il n'y avait pas un seul nuage. On voyait tout le ciel bleu. Soudain, quelqu'un a crié « Regardez là-haut ! Quel étrange spectacle !» On a tous levé la tête et on a vu quelque chose d'extraordinaire. Dans le ciel, on voyait une tortue portée par deux canards. Le problème, c'est que les gens qui voyaient passer la tortue la prenaient pour un personnage important, car ils n'avaient jamais vu une tortue qui volait. Alors les gens ont crié « Elle est magique, c'est la reine des tortues !» Et tout le monde s'est exclamé « Vive la reine des tortues !»« Vive la reine des tortues !» En les entendant, la tortue très flattée a voulu les remercier. Mais au moment d'ouvrir la bouche pour leur répondre, elle a lâché le bâton et s'est écrasée. C'est alors qu'on a vu la tortue s'agiter et s'écraser sur le sol. Mince ! J'ai vraiment eu de la chance d'avoir une carapace aussi solide. Il faut dire que j'ai été bête de répondre aux gens qui me flattaient. Pourtant, les deux canards m'avaient dit de serrer le bâton de toutes mes forces. La prochaine fois, je réfléchirai et je serai moins vaniteuse. Ce jour-là, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. J'ai rencontré un animal que je n'avais jamais vu. Il était très grand, il avait l'air très fort. Sur ses quatre longues jambes, il avait un corps musclé, un grand cou épais, une tête énorme surmontée de deux oreilles pointues. Ses narines étaient gigantesques et sa bouche garnie de longues dents. Il avait aussi des poils au menton. Devant un tel monstre, je me suis méfiée.
Ce pouvait être une proie, mais aussi un prédateur. Il me fallait de l'aide. J'ai alors demandé au loup, qui était plus fort que moi, mais surtout beaucoup plus bête. Quand nous l'avons approché, nous avons demandé à cette bête inconnue quel était son nom. Il nous a répondu que celui-ci était écrit sous son pied. Et là, j'ai vu que ses pieds étaient recouverts d'énormes sabots de vrais marteaux. Je me suis donc méfiée. Il fallait que ce soit le loup qui y aille à ma place. Alors j'ai prétendu que je ne savais pas lire et j'ai flatté le loup en lui disant qu'il était plus savant. Celui-ci était allé derrière l'animal et là, paf ! Aïe aïe aïe, je me suis bien fait avoir par ce traître de renard et cette grande brute. Quel idiot je suis! Comme le renard avait dit que j'étais savant, je ne me suis pas méfié et je suis allé voir à l'arrière du cheval pour lire le nom écrit sous son pied. À ce moment-là, il m'a envoyé un coup terrible de ses sabots énormes dans ma mâchoire et il m'a cassé 4 dents. En plus, son nom n'était même pas écrit. Pour couronner le tout, le renard s'est moqué de moi en me disant que les gens intelligents étaient aussi les plus méfiants.